Eh bien salut les petits loups, c'est Nardoc et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre Let's Play sur Wario Land 4. Enfin la suite j'ai envie de dire, et aujourd'hui on va faire le passage Saphir. Donc le premier niveau c'est Crescent Moon Village. C'est parti. Wario. Alors attention, on rentre totalement dans un autre univers. Oui ça c'est un petit bug de l'émulateur. Donc oui, c'est un fantôme qui vole et qui crache des boules vertes. Et donc on va se prendre une boule verte et oh, on se transforme en zombie. Et donc la spécialité quand on est zombie, oui c'est qu'on peut le tuer déjà. Parce qu'avant il était invincible. Et donc voilà, il y a une plateforme juste en dessous de moi et j'ai juste à sauter dessus et... Oh là là, je tombe en charpie. Alors là, il n'y a que mon chapeau et hop, dans l'eau je redeviens humain. Attention aux bulles, putain, je me suis fait avoir. J'adore la musique, surtout quand on est dans les bulles. Mais putain, je me suis fait avoir une deuxième fois. Pas trois fois. Oula, j'ai failli me faire avoir une troisième fois. Hop, toi t'es mort. Récupère les cœurs quand même. Alors j'ai récupéré le dernier CD qui me manquait au tout premier monde. Parce qu'on m'avait fait la remarque, donc je l'ai fait. Hop là, voilà, on a fait une petite aventure là pour rien dans les égouts. Hop là, donc on va rentrer dans le manoir. Enfin plutôt dans le village. Attention, il y a des monstres, il y a des bourreaux roses, c'est beau. T'es moche. Hop là, attention, un décor très, très Halloween. Hop là, alors là, une particularité. Oh mon dieu, un fantôme pirate, un pirate fantôme. Qui nous fait rien du tout. À part nous voler des pièces. Voilà, sa spécialité de merde. Il nous pique nos pièces. C'est pas cool du tout. Surtout quand c'est des grosses pièces. Tiens. Voilà, en plus ça le fait marrer. Hein. Ah bah écoute, pique-moi mes pièces. Tant que tu me saoules pas, je vais récupérer les trucs en plus. Et après je vais désactiver ça pour le retour. Parce que ça peut être chiant. Voilà. Hop là. Ouh là là, une chauve-souris et... Attention, nouvelle transformation de Wario. Wario chauve-souris. C'est beau. Et je me suis trompé. Ça, j'ai dû le faire un bon nombre de fois. Il faut d'abord casser ça. Hop. On n'est même pas obligé. Parce que là-bas, dès qu'on va dans la lumière, eh bien, on redevient humain. Mais ça, c'est pas cool. Oh putain, il y avait le bourreau. C'est pas possible, il a pas pu sauter. Donc là, attention. Bouboule. Hop là. Voilà, c'est très rapide. Esquive de la chauve-souris. Du bourreau aussi. Tiens. Alors, donc, on peut pas sauter. Donc, il n'y a qu'une seule façon d'arriver en haut. C'est d'être une chauve-souris, d'éviter la lumière, évidemment. Donc, je vais d'abord aller à gauche. Hop, voilà. Hop là, et déjà un quart de gemme. Et là, il y a un petit secret. Voilà. Hop. Hop. Ouais, c'est juste au-dessus en fait. Voilà. Il y a un trou dans le mur, c'est beau, et on peut y rentrer. Oh là là. Alors là, que je réfléchisse. Ouais. Alors là, je sais pas du tout. Ah, je vois pas du tout, du tout. Ah, voilà. Bah écoutez, je me doutais qu'il y avait une pierre comme ça, mais je savais plus où elle était. Hop là. Et donc, normalement, hop, là, c'est dur avec une manette de Xbox avec le joystick. Voilà. Hop là, raté. Deuxième tentative. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un diamant? Ah putain, raté. C'est vachement dur comme ça, hein. Je vous défie de le faire au joystick. Ah. Je sais pas si c'est possible en fait. Faut aller en bas et à gauche en même temps. Ah putain. Une dernière tentative et j'abandonne. Hop. Je vais essayer avec... Ah non, c'est pas possible, faut aller à droite et rester en bas avec un joystick, c'est... Ouf! Ouf, pro gamer. Je me casse. Ok. Continuons.
Hop là. Donc cette fois-ci, on va utiliser encore la chauve-souris, mais on va aller en haut. J'adore la musique déformée, c'est énorme. On devient humain, sinon on peut pas passer la porte. Encore une fois dehors, encore une fois avec notre ami le pirate. Pirate Cupid, aïe. Tiens. Le pirate SDF. Ah, je me fais avoir par ces hérissons gays. Mais... c'est pas vrai. Pas me faire avoir encore. J'ai que 4 coeurs en plus. Hop là. Tuant. Ah écoute, vole les pièces, ça peut te faire plaisir. De toute façon, c'est qu'une question de score. Y'a le diamant. Oh putain, le coeur. Alors, je... on va aller à gauche. Ok. Un deuxième quart de... j'allais dire de cœur. Non, on n'est pas encore dans Zelda. De gemmes. Un cœur. Ok, donc si on va tout en haut, ça nous ramène juste où on était avant le saut. Donc on va continuer notre route à droite. Tac. Encore un cœur en haut. Et là, il y a... ouf, un petit truc à faire. On va se baisser. Et on va rouler sur la pente. Parce que oui, il y a un passage secret. Voilà. Hop là, le CD, c'est beau. Et on refait pareil du même côté. Enfin, de l'autre côté, pardon. Ok. Parfaitement parfait. Un petit jeu, un mini-jeu. Qui a l'air bien chiant comme il faut. Faut esquiver ces trucs. Ah oui, je sais. Voilà. Hop, là, je vous dégomme. C'est la vie. Alors, ces bébêtes là, qui ressemblent à... je sais pas. À un gros oiseau qui crache des chewing-gum balls, bah, il me fait triper. Voilà, hop. Il crache des je sais pas moi, des boules de cristal, des bulles, des crottes transparentes, comme vous voulez. Et merde. J'en ai cassé que deux. Allez, crachez, crachez. J'essaie de pas me faire avoir puisque je les ai pas tués. Vas-y. Yeah. Alors là, le truc, s'il faut pas se faire avoir. Attention. Ah là, je me suis fait avoir comme par hasard. Oh bah, j'aurais pu l'utiliser, je suis bête. Ah bah tiens. Je vais essayer de faire un truc. Vite, 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 vite. Vite, Wario. Bah écoutez. Bah voilà. Ça c'est fait, j'ai envie de dire. Ok. On peut continuer le niveau. Hop là. Hop là. Ok, qu'avons-nous là? Alors, des cubes spéciaux, des blocs spéciaux. Encore un de ces fameux monstres, qui ressemble d'ailleurs à rien du tout. Ok, donc voilà, vous voyez, on change les blocs tout simplement, ils sont lisses et on peut glisser et faire la bouboule dessus. Hop, je vais faire comme ça, ok, deuxième fail, c'est beau, pas se faire avoir. Voilà. Hop là, triple shot. Là, y'a rien. C'est jamais, hein. Et donc, voilà, si tu veux descendre, ça a aussi changé les blocs du bas. Et voilà, troisième quart de gemme. Ok, encore une fois dehors, avec le pirate et le hérisson gay. On va laisser tranquille. Quoique, je vais les détruire, je vais les tuer pour la suite des événements. Pour le retour en fait. Ok, alors on casse des caisses. Alors qu'est-ce qu'on a au mini-jeu? Oula. Un truc marrant à faire.
Venez les petits 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 petits. Voilà, ils sont très cons. Et moi, ça me fait plaisir. C'est très sympa comme mini-jeu. Il y en a comme ça, des très cons et des très marrants. Je me facilite la tâche pour plus tard. Et eux, ils sont gays. Retourne à la Gay Pride. Ok. Oula. Je sais pas où je suis tombé là. Attention. On va passer en tes courants. Ok. Quatrième et dernier quart. Ok, attention. Oh, pirate, de toute façon, il nous fait rien. C'est cool, ils veulent juste de l'argent. Et. Vous voyez, on est déjà à la bombe grenouille, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc on va bouger les fesses tout de suite. Je vais juste voir ce qu'il y a. Ok. Voilà, j'ai bien fait d'aller voir. Et donc on va activer cette grenouille, attention. Merde. Ça arrive à tout le monde. Attention, ça va chier des bulles, donc on va récupérer Kaiser par la droite. Hop, Kaiser, tac, on se casse vite fait, et là, le truc chiant, voilà, c'est ça, le pirate, il prend plus les pièces, mais il prend Kaiser, cet enfoiré, et j'ai, il m'en a fait voir des couleurs, ah putain, il l'a revolé, prends ma Kaiser, c'est mon Kaiser, donne-le-moi, je perds du temps. Non, 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 non. Mon Kaiser, s'il te plaît. Prends-le-moi. Prends-le-moi. Il fait perdre du temps, en plus. Hein. Dépêche-toi, dépêche-toi, Wario. Bouge tes fesses. Il va me faire perdre encore, cet enfoiré. Hein. Il m'a jamais fait autant chier. En fait, je pense qu'il faut bouger et il va nous suivre tout seul. Non, même pas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bouge tes fesses. Non, c'est plutôt Wario. Allez, 2 minutes 25. On se dépêche, on se dépêche. Go, go, go. Enfoiré, c'est mon Kaiser. Touche pas. C'est ma clé. Allez, bouge, bouge. Allez, Wario. Alors, je suis un peu stressé, je suis désolé. J'ai pas envie qu'il me le prenne. J'ai pas envie de perdre, ça serait bête. Putain, c'est l'apocalypse chez moi. Il pleut un truc de dingue. Je sais pas si vous entendez. Moment de stress. Bouge tes fesses. Voilà, j'ai bien fait de le faire dès le début. Aïe, ça c'était obligé. Ok. Ça aussi j'aurais pu le faire, c'est pas grave. Ok. Tac. Tac. Et bonsoir. Mamma mia. 1 minute 43, j'ai eu chaud, j'ai vraiment eu peur la première fois qu'il m'a piqué Kaiser. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien, j'ai les 4 quarts et le CD. Et en plus, j'ai la couronne en or. Génial. Ah, c'était pro. Hop là, mon petit Kaiser chéri. Non, reviens. Il est déjà parti. Hop là, la petite couleur. Voilà. Et la gemme dans la porte. Qu'est-ce que c'est beau le saphir. Eh bien écoutez, voilà, c'est la fin de cet épisode de Wario Land 4. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous.